Allô tout le monde, et aujourd'hui, nous allons goûter les produits de la compagnie Alicience de Mer. Cette compagnie est québécoise. Nous voulons dire merci à Alicience de nous avoir laissé assez ce sel de mer. J'ai tellement hâte. Nous allons goûter des cocombes pour voir la différence entre le sel de table et le sel de mer de Alicience. On y va. Avant de commencer, je veux juste dire que ce produit est 100% pur, naturel, vegan, sans gluten et sans agent de conservation. Et qu'est-ce qui est super cool, ça vient des îles de la Madeleine. On y wow. va. Ici, on a nos concombres avec le sel de mer d'Alcyon. Et nos concombres avec le sel de table. On va commencer avec lui d'Alcyon. On peut voir ici. Ouh. On peut voir que c'est un petit peu plus gros que le sel de Ouh, ça sent de bon. Mer. Le sel de table, excuse. On y va. Oh, wow! Wow! Ça donne une saveur comme... Ouais. Un peu surette. Ouais, comme sweet. Ouais. Juste de même. Oh my god, il y a un goût très fort, très croquant. Bon, comme avec de la spaghetti. Moi, ouais. j'aimerais manger ça avec de la spaghetti, ouais, de la macaroni, même d'autres légumes. Tout. Oh my god, c'est bon. Oh ouais. Wow. Goûte ça. C'est sûr, c'est 100% différent que le sel de table. Je peux le dire maintenant, là. Tu le goûtes plus, puis moi, j'aime ça. Ouais. Là, c'est le sel de table. On y va. Oh my god, c'est tellement bon là! Comme, tu peux voir que la différence entre celui-là et celui-là, c'est que lui a moins de saveur. Mm-hmm. Même que c'est comme un plus gros cube, mais juste que tu peux goûter wow. que ça goûte pas comme celui-là. Je suis comme, tu sais comment pur celui-là, ça donne une saveur plus forte. Puis c'est ça qu'on veut quand on mange avec du sel. Ouais. On veut que ça soit pur, que ça goûte parfait. Incroyable. Quand lui, ça goûte un petit peu moins. Oh my god. Ouais. Moi, j'aime les concombres. Ouais, moi, j'aime les mon préféré. C'est vraiment bon. Comme tu peux voir que la saveur reste plus longtemps dans ta bouche. Puis, comme c'est plus gros, je trouve que tu peux en mettre moins dedans. Ouais, t'es capable de l'écraser, puis ça fait... Exactement, juste du sac, là. Ouais. C'est déjà tout mis en miettes, là. Tu peux juste le mettre comme parce que ça, la saveur reste plus longtemps dans ta bouche. Ouais. Même que ça, c'est plus gros, mais... Tu peux vraiment voir la différence quand tu le goûtes. Tu dois vraiment l'essayer. Puis ici, on a goûté le sel rose, mais ça, c'est number one. Je veux juste te dire ça. Tellement pur, c'est parfait. Merci tellement pour le sel. On va l'utiliser pour des centaines de recettes. Mm-hmm. Vous pouvez faire la même affaire. Rappelez-vous d'aller sur YouTube, chercher Poodle Master, puis aller supporter notre deuxième channel. On a à peu près comme 200 subscribers. Ouais. Merci tellement. Like, subscribe. Bye!